rencontrer ici, tout ça, de voir comment on peut travailler entre les deux. Au crédit là, faut remonter là. D'accord. Vous faites 3 km en sortant des Moutiers. Ouais. Vous faites 3 km en sortant des Moutiers. Vous allez tomber sur deux premiers signaleurs qui font une traversée de route. Une deuxième rangée de signaleurs, oui. 500 mètres plus haut, je vais peut-être le prendre dans mon. Il ne pleut pas dans ton improvisé. Non, il ne pleut pas. Ça fait pas. Ça fait pas. Bon, il ne prend pas, il ne pleut pas. Et alors les gaziers ? Ça va, Guigui ? On y est, faisons. Allez. Ils s'ouvrent de sort. T'entends. Ils sont dans le sac. Ça va en pleine forme? C'est bon? Bon, petite estimation de timing. C'est la première fois alors je sais pas. C'est vrai? Ah oui, en plus ils ont réservé 2-3 surprises supplémentaires, alors ça devrait être sympa. Amusez-vous bien. Allez, on va aller voir speaker là. La caméra, personne ne peut dans la caméra, des barrières. Pour la tout petite simplement vidéo, pour que tout le monde soit rentré pour les buteurs et qu'on puisse partager ensemble pour toi. Le petit pot de la vie. Ouais, mais toi, tu reviens. Donc, prends l'arrière. On revient, exactement. On enlève le douceur, bien entendu. Je suis accompagné avec Sébastien et Daniel. Le respect, les applaudir. Bon, on se verra peut-être tout à l'heure. On fait un bon départ. Allez, c'est le départ, les gars. Eh ben, hé, fallait pas pousser. Fallait pas plus. Allez, on est dans les derniers tranquillement. Aujourd'hui. On y va. Ouais. Allez, on va fermer. Bon Mathieu, Seb, vous êtes en pleine forme? Bon. Où c'est, bon, ça va. Où c'est qu'on est aujourd'hui? On va rentrer avec les Moutiers. Joli petit village en Haute-Vienne. Deuxième fois qu'on le fait, la dernière c'est la première édition. Et là on va se régaler j'espère. Le temps est parfait. Les bénévoles ont le sourire. On est 3 copains du club. Allez, c'est parfait, on y va. Allez, ça part bien devant, hein, comme d'hab. Hein. Ça s'étire, ça s'étire. Et merci les bénévoles. Hein. Allez. Avec la dernière, j'étais parti. Ah mais plein de mal. Ah, tranquille. Une petite bosse de passé déjà. Ouais. La toute petite du départ. Bien parti. C'est ça. Il est dans le... Elle nous permet de, ouais. Ne plus avoir froid. Bien chaleur. Allez, gentiment. On est bien. On part sur un rythme collégial. Ça monte, ouais. Allez. Deuxième kilomètre. Pas trop mal, on se chauffe. Ouais, on est bien. Gentiment. Ouais. On est plus dans la forêt un peu. Ah ouais. Ça fait du bien. On va attaquer des bonnes parties tout à l'heure. Ouais, les bénévoles. Allez. On fait exprès. Bonjour. Bonjour. On rentabilise. On te savoure. Allez. Premier ravitaillement qui sera à Le Mont. Au 12e kilomètre. Il nous reste. Bonjour. 10 bons kilomètres. Bonjour. C'est bien. C'est le Vous préparez une course longue, les gars? Ouais, des templiers. Ah, bien. Sur quelle distance? Le 80. Ah, bien. Je sais pas si c'est bien. J'espère que vous aurez une bonne météo en tout cas. Ah, j'espère aussi. L'année dernière, avec 15 heures de pluie, ça va être bon. C'est ça. Après, c'est double tranchant. Hein.
Mais bon, j'ai pas de raison. Non. Pas de raison. L'année dernière, il y avait eu un beau temps, mais on avait fait la course le samedi. D'accord. Le marathon des côtes. Ah oui, bien, bien. On avait eu un temps magnifique. D'accord. C'est votre plus gros défi ou... Ouais. C'est bien. C'est le plus long qu'on ait fait. Bon ben, j'espère que ça se passera bien pour vous en tout cas. Ouais, on y est. Premier petit pétard. Ça c'est nouveauté par contre. Hein. Ça c'est news. L'angle est parfait. À la queue leu. Belle surprise. Belle ouais. Surprise. C'est que le début. Pour le moment. 4 km 5. En 32 minutes. Pas dégueu. Ouais. Faut que ça dure. Ouais, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal. On lèvera le pied à bon escient. On va attendre sur le ravitaillement. Et bien, on n'a pas fait de gros dénivelé pour le moment. Non, c'est que le début. C'est vraiment. Allez. Allez, on continue. Rien de soleil, hein, c'est pas beau. Et bonjour. Non, non, Seb, Seb. C'est pris, c'est filmé. Nickel. Merci les gars. Non, parce que je voulais pas monter moi. Allez, hein. C'est fou toi. Allez, petit sourire. On va pouvoir filmer, Mathieu. Allez. Le petit pétard du 6ème kilomètre, tu le vois. Tiens, photo en haut. Faut tirer la langue. La grimace. Ah, c'est vrai, faut faire le... la grimace. Ah. On a le photographe international officiel. Et après, j'ai reconnu tout le monde. Ah bah, j'ai reconnu tout le monde. Vous allez bien, ça va? Oui, oui, ça va très bien. Très bien. On est bien, nous. Très bien, très bien. En forme. Les petites surprises, comme on aime. Alors je vais pas vous dire que le premier est passé il y a pile un quart d'heure. Oh mais c'est rien ça. Mais alors, non, je rigole là-dedans. Merci. Dites-moi ton tous les trois. Hein. Allez, avec plaisir. Oui. Ok, merci. Super. Ah, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Au top. Sur 7 km. C'est ça. Ah non, on est pas dans le pays. Merde. Merde, on est en Haute-Vienne. Haute-Vienne. Joli port de pêche. C'est parti du PNR. 2000 vaches. Très bien. Bonjour! Merci! Merci! Ça, je me rappelle là! Ouais, pareil! Par là, par là, par là, par là! Merci, merci! Merci! Merci, merci Michel! 7 km 500! C'est à peu près rare! On n'est pas à Argin, ça va? Pas tout à fait une heure, non, on est bien, on est bien, on est bien! C'est superbe. On est optimal. Optimum ou optimal? Optimus Prime. Optimus Prime. En mode Optimus Prime. Et bonjour. C'est pas là. Ah, merci beaucoup. Merci. Hop.
découvert. Hein. Allez, on va voir un super point de vue. On est à 10 km 200. Il nous reste 2 km avant le premier ravitaillement à Le Mans. Et là, c'est que du plaisir. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est une moutier. C'est moutier. Je ne vais pas me rendre compte. Et bonjour. Oh là là, que c'est beau. Allez, super. Allez, c'est bien, Seb. Ça descend, ouais. C'est bon, ça. Juste assez humide pour agripper. C'est impeccable. Là, on s'amuse. Et bonjour. Première source, il y a un captage. Une petite là, j'imagine. Et la deuxième devant. Oui. Les belles sources naturelles. Un ou deux kilos de plus. Ouais. Après, après, juste là. Et bonjour. Bonjour, bonjour. À la vôtre. Allez les gars. Premier ravitaillement. 12 km 8. Ouais, super. Ravitaillement ici, aux gazeuses de l'autre côté. Allez, super. Ils vont savoir. Mmh. On fait un petit film pour l'événement, donc pour l'organisation. Ah, voilà, d'accord. C'est ça. Ah bon, mais vous nous tu les encourages pas. Là maintenant, on va aller jusqu'au 18e kilomètre pour aller voir le prochain ravitaillement à Eibor. On va se faire plaisir, mais en attendant, savourez. Ça relance. Et ravitaillement dans un peu moins d'un kilomètre pour Eibor au 16e, non pas au 18e, au 16e kilomètre. Pas presque. Hein.
visuellement, t'as pas de roue. Ah oui. Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Ravitaillement et bon, c'est ça. C'est ça. Comment vous allez? Eh ben très bien. Ah ben nous, on va bien. Et vous? Oh impeccable, on est bien. Bon ben c'est ça. C'est facile. Vous êtes presque arrivé donc c'est bon. Oui c'est ça. Oh pour vous c'est facile. Pour nous non, pour vous aussi. C'est jamais facile. Il n'y a pas une goutte de sueur, un grand sourire. Ah ben vaut mieux. C'est pas bon de faire la gueule quoi. On peut dire quand vous parlez les mecs trop fort. Allez courage. Pas de pénible. Courage. Non mais vous n'êtes pas pénible. Accompagné. Je suis bien accompagné, donc c'est parfait. Comment t'es accompagné? Je te le garde pas. Bonjour. Allez, deuxième ravito check au 16e, à Ebor. On est reparti sur un petit pétard, gentil. On a bien rechargé les batteries. On est bien, on est toujours tous les trois. Bon rythme, bonne... Et on ira jusqu'au bout. Bon, on est bien. On est parti sur une boucle pour revenir au ravitaillement à Ebor et on sera au 31e kilomètre, voire peut-être 32. Tout dépend de la surprise de l'orga. C'est ça. On est bien pour le moment, on est en forme donc tout va bien, on continue. Allez, single. Allez. Attention aux racines. Hein. Au revoir. Bonjour. Tu comprends le côté farfelu? Ah, je prends les chemins là. C'est ça. Ils sont filous alors gars. Ils sont filous. Mais c'est ça qu'on veut aller, je pas très bien. C'est ça. Les petits sentiers originaux. C'est ça. Ouais. Et bonjour. Bonjour. Merci. Allez, courage. Merci. C'est vert plus haut vers vous. C'est un œil, ça coule. Ça verse. C'est très verdoyant. Ouais. C'est beau là où tu viens. C'est une belle région. On s'y sent bien. Ouais. Comme à la maison. Ouais, c'est bien. Ça va, nickel. Température idéale. Très juste. Allez. Plateau d'une bâche. Au bon endroit, avec les bonnes personnes. Ah ouais, là. On est au top. 20e kilomètre passé. Ouais. On est à peu près à 700 de dénivelé. Et on est à combien? On est à 2h. Un peu plus de 2h30 de course. 30. Donc on est bien. On est bien.
Oh, c'est un régal. Là. Oh, la belle. Ça a failli. Ça a failli. Bon alors, l'équipe en duo, ça se passe bien ? Je n'ai pas en duo officiellement, mais... Ah, presque alors. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah ouais, bon, bah, tu vois, on s'est trompé. Bon, est-ce que ça va bien quand même ? Hein ? Oui, ça va, ça va, c'est bon ? C'est dur, tu veux dire. Hein ? C'est dur, tu veux dire. Ouais, 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 ouais. Mais bon, on a beau temps, on se régale quand même. Ouais, c'est cool, le temps est pour nous. Ah. Attends, on a même pas fait la moitié. Ah, à bientôt là, ouais, on est, je sais pas, j'ai 20, pas tout à fait 21. Ouais. C'est super, vous préparez une course en particulier ou c'est celle-là. D'accord, c'est le défi. C'est le défi, bah c'est voilà. Bien. Super. Vous avez fait une bonne préparation ? On a essayé, ouais. Bon, c'est bien. Vous êtes du coin, Haute-Vienne ? Ah ouais, ouais, bon, vous avez, vous avez des beaux terrains de jeu quand même. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est, On a des belles côtes pour préparer. Là, justement. Ouais, ah voilà. Oui, celle-là, elle est sympa. Ah oui, parfait. Elle est servie sur un plateau. C'est, ouais, merci. C'est amusant. C'est amusant. Ah. C'est pas vous qui avez le jambon alors pour la fête. Eh bien non. On, prendre, mais, on a essayé, cas, mais. Il y avait le jambon devant nous, on l'aurait pris. Non, mais il y en avait là-bas au ravito du 12. Ouais, il y en avait deux, ouais. Un au 12 et un au 16. Mais bon. Super long. Ah oui. Ah ouais, d'accord. Allez, Seb. Allez, Seb, allez, allez, allez. On veut du bruit. Ouais. C'est mou, c'est mou. C'est très mou. Pas entendu. Flop. Bravo. Bravo à vous les gars. Allez, vas-y. Allez, allez. On est pas bien aujourd'hui. Non, on est pas bien. Là. Samedi 23 septembre 2023 sur la LF Pas Trail édition 2. On est bien. Hein, on profite. Allez, quand il y en a plus, il y en a encore. Hein. Pas fini. La Kemp. Ouais, une belle bille. Hein. Je prends qu'un petit peu de dénivelé quand même. Ouais. Un petit moment que j'avais pas fait. Tu as commencé ta préparation au marathon, c'est normal. Ah, ça, faut pas le dire. Je couperai. C'est pas le meilleur entraînement. Mais... De 850. C'est le un des photographes. Max, impeccable Max. Mais merci beaucoup, hein. Au top. Ouais. Bonjour. On est là, on est là. Toujours. On est à mi-chemin, hein, passé là maintenant. 22 km. À 2h48. Bon. Attention, il y a des trucs de côté. Ouais.
L'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme qui filme l'homme. Allez, et bonjour. Et bonjour. Ça fait ça. Et bonjour. Comment ça va? Ben lui, ça va bien et vous? Impeccable. Impeccable, impeccable, exactement. Un petit coucou tout le monde. C'est pour la vidéo 44 sur la Left Par, donc on est bien, on est en forme. Là, il y a Mathieu. Il y a Seb. Même si ça commence à me tirer dans les jambes, mais ça va sinon, promis. Nickel, les gars. On se revoit à l'arrivée. Des fois, non, je ne veux pas. Où est-ce qu'on est ici, là? Soufranja, le fameux ravitaillement de Soufranja. On est bien. On est au top. C'est bon ça. Allez, on va te suivre. Qu'il est joli. Magnifique. Si jamais tu tombes. Ça va, il est pas trop lourd à porter? Si, c'est vrai. Ça, c'est le deuxième ou le premier? C'est au 12e kilomètre ou au 15e? On va le faire au 18e. Ah, au 18e, d'accord, ok. Donc ça doit être au 2e ravito alors, c'est ça. Allez, on va se ravitailler puis on repart tout à l'heure, on est bien. Allez, on reprend. Donc ravito du 25e kilomètre. On a passé les 3h10 hein, de course. Le petit ravito, donc celui-là, c'est Soufranja. Et on s'est bien régalé parce qu'il y avait du salé, du sucré, un tout petit peu de boisson isotonique. Et je suis toujours avec les deux gaziers. Ils sont en pleine forme. Allez, ça va aller, ça va. On est bien, on prend le temps. On va relancer, puis petit à petit, on fait des étapes avec les ravitaux. Mathieu, il est en train de ronger son frein devant, mais tout va bien. Il est bien. Ah, on est bien. Est-ce qu'il y a deux bêtes ou deux idiots? Non. On est là. Un petit topo qui est à 28 km à peu près là. Ouais, ça. 3h33 de course. On est bien. On doit être tout juste à 998 de dénivelé. Ah, allez, on va aller chercher. Juste là. Merci à vous. Hein. Allez, ça va aller. Ravito dans 3 km. Ah ouais, à peu près 3-4. Ouais. Là, on revient au à Ebor là. C'est ça. On va voir du monde après. Ouais.
Ah là là, que c'est beau. C'est bien Seb, on est bien là. On est bien, on est en forme. 28 500, on est bien. On approche à peu près à 2-3 km du ravito Ébord pour la deuxième fois. Donc on boucle la boucle et après ça sera, je crois, au... peut-être au 36, 38, je sais plus exactement, on verra. Ça grimpe Mathieu ? Écoute, là un petit pétard, il fait un peu de mal. Le pétard du 29e quoi, à peu près. C'est ça. Moi je le trouve rigolo. Hein. On a passé les 1000, 1000 de D+. Un joli ratio. Fait plaisir. Elle est belle cette grimpette. C'est une belle surprise ça. Le lien vital avec les arbres. Énorme. Jolie chaîne. Magnifique. Ça pour le... Il est énorme comme un bif. Ah ouais. Il est énorme en plus. Les marques. C'est beau. Ça c'est coquin aussi. On l'a descendu tout à l'heure. Et là on la remonte. C'est dur ça là. Ça c'est... Ouh. Pour les mollets. Ah. Fallait bien que ce soit dur un peu là. Là je reconnais que... Pas facile celle-là. Allez, on est au bout. Plus de 100 inscrits, ouais. Centaines, plus d'une centaine. Ouais, c'est ça. Allez. Elle fait mal celle-là. On l'a descendu. Merci beaucoup. Laissez-moi là les gars. Au ralenti. Est-ce que vous avez une voiture? Vous avez une voiture ou pas? Vous avez une voiture ou pas? Vous avez une voiture? Non. Non, non. Ah merde, moi tu es en train de pêcher, on t'a vu. Allez, on continue les gars. Je ramperai, mais je finis. Allez, on y va, on y va. On va chercher. Allez. Il y a un peu de bombeur. On a relancé. On termine à la grande boucle du sud. On revient au ravitaillement, donc du 31-32 km. Je ne sais plus exactement, mais on est dans ces eaux-là. Ça va nous faire du bien. Requinquage. Puis après, on fera étape par étape, step by step, jusqu'au bout. Allez, 651. 651. Comment ça va? Eh ben non, ça va bien. Toujours aussi bien. Alors une bière, une saucisson, s'il vous plaît. Allez, ravito à Ébord. C'est le deuxième passage. Et après le premier ravitaillement, c'est quand exactement? C'est pas ce qu'à l'arrivée. C'est 4 km. Ah, c'est au Dakota. C'est au camping. D'accord, le camping. Prochain au camping. Coup 31 km en 4h05. On est bien. 34. 34. Ah, tu es au 20, tu vois. 34-08. Allez, Seb.
On veut des trucs un peu durs, nous. C'est plein. Allez, Seb, petit topo. 33, ça fait du bien. Ouais, c'est dur. On est à 1220, bravo, l'organisation. Le dénivelé un peu plus de 33 km. Bravo. On est bien. On est en 82. On prend le temps, on est bien. Ça commence à fatiguer quand même, ça tape sur l'organisme. Mais on est bien. On court toujours. On arrive à nous rester là. Environ 10 km avec un peu moins de 400 de dénivelé. On est là. 86 de course, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Si on se fait un 5-36 heures, c'était l'objectif, c'est parfait. Un peu plus de 5h30, ça c'est sûr. Mais moins de 6 heures, ça c'était l'objectif en tout cas. Objectif aventure sur la Left Patrol, donc c'est top. On se régale, c'est dur hein, quand même. Faut pas le négliger. Ils ont fait un beau parcours. On a rejoint le tracé où il y a du 23 km. Donc on devrait avoir un peu plus de monde. Enfin, surtout des personnes qui nous doublent. Mais on est toujours sur un bon rythme, on est constant, le même que depuis le début, donc c'est parfait. Allez, on arrive quasiment à 36 km. 36 km en 4h36. Ça tape un peu, mais on y est, on est là. On est bien. Et bonjour. Bonjour, merci. Bravo, bravo. Merci. Ouais, là j'ai un accès de folie qui est pas forcément très intelligent, mais bon, ça me fait du bien mentalement. Bien Guy. Ah, j'adore ce single. Allez, allez. Oh!
impeccable. Oh, super. Tout va bien. Ça gaz, impeccable. Ça vous plaît? Ouais, c'est super. Bon, génial. On a fait de belles images. Ouais. Donc ça devrait le faire. Super. Donc là, vous allez reprendre une section à déniveler, la nouvelle section là. Ah, mince. À gauche en bas là. Ouais. Allez, bravo, bravo. Les têtes connues. Ouais, tous connus dans le trail. Hey, allez, salut. Ça va? Ça se passe bien alors? Ouais, ouais, super, le parcours nickel. Et tout. Le balisage, vous trouvez comment? Parfait. Ah, parfait. Ouais, ouais, ouais. C'est un peu long, mais bon. C'est parfait. Ouais, ouais, plaignez-vous, plaignez-vous. Vous reviendrez. C'est rentable. Pas malheureux. Pas mal, c'est bon, c'est toi le meilleur. C'est dans ta tête, JB. Yes. Bravo, JB. Alors là. Machine. C'est Verdun. C'est dans la boîte. C'est dans la boîte. C'est trop de watts au démarrage. Trop de puissance. Allez, allez. Allez, Yigi. Allez, Seb. Allez. Allez. Ça où les watts? Allez Seb, allez, allez. Là, allez Seb. Allez, allez, allez. Là, allez, 50 mètres, ça sera moins dur. Bravo Seb. Merci. Allez, allez. Allez, allez. Ah, voilà le copain. Le photographe. Ah ouais, c'est fou. Ils sont pas là. Ils sont fous. J'ai commencé à faire des photos au milieu. Puis... Là, elles sont moins belles les photos. Là, de... 20 minutes avant de remonter. Ouais. Alors, Guillaume. Ah, elle était dure celle-là. C'est pas très longue, mais. Les mollets, ils vont s'en souvenir. Donc 37 à 37, 38. Sacré raideur celui-là. Allez, je sais qu'il y en a un autre d'ici 2-3 km. Celle-là, qui est juste avant le ravito. Celle-là, ça devrait piquer aussi. Un peu moins que la dernière, mais. On devrait la sentir. On passe à la bière. C'est pour ça que je me dépêche. Ben c'est oui, pas vite qu'on finisse le fût. Ouais. Si y en a plus. Allez, bon courage, gars. Déjà, quand on est passé à côté du saucisson, ouais, si bon. On a plus de bière. Ah merde. Bonjour. Bonjour, c'est filmé. Tourner la caméra, c'est vous qui pouvez filmer. Mais non. Non, c'est le mérite. Ah. Dur, allez, 30, 38, il ne reste plus grand chose. Ouais. Allez Seb, allez. 1350. J'ai un peu plus de 38,5.
train, c'est le pont de la voie ferrée. Ok. Bravo, bravo. Super. Bravo. Merci. Ah. Ça, c'est ça qu'on veut. Voilà, allez. Merci. Allez, allez, allez. Le VMHS. Allez, allez. Allez, Seb. Allez, super, Seb. C'est bon, ça? Ouais, ouais, bien, bien, bien. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est vous, là. Allez. Allez, bonjour. Bonjour. Faites gaffe, ça glisse en remontant aussi. Ah. Ok. Bientôt le ascension. Oh, c'est joli. Bonjour. Attention, vous mettez les pieds. Merci. Il est là, jambon. Par où? Merci. Ça fait quoi d'avoir un jambon en courbe? C'est mérité. Très dur, ouais. Ça se mérite. Ah oui. C'est bon, ça. Je l'ai attrapé au 13e kilomètre. Ah. Et là, ça tout au mental. Ça commence à être dur. Pris direct en okay. 13e. Jusqu'au bout. J'ai presque 42 bornes. Donc le vrai, quoi. Ah ouais. Jusqu'au bout. On va le savourer. Et bravo. Allez, super. Le jambon. Allez, ravito est là-haut. La dernière grosse bugne. Ah, elle est là, elle est là. Allez. Il y a du monde. Hein. Allez, on va chercher. On va chercher, on va chercher. Je veux la voir. Voilà. Et après le ravito sera à 150 mètres. Allez. Je veux la voir. Entendez-le, il crie, la licorne crie là-haut. Je veux la voir. Ah ouais, va voir la licorne. Et prends une interview, tu lui dis, il paraît que tu t'appelles Pascal. Ça va? Tout va bien? Allez, bravo, c'est super ça. Super, super. Bravo. Bravo les gars. À la licorne. Et... Hey, la licorne, elle porte bonheur, la licorne. Chaud, Pascal. Ah, c'est... ah ouais. Ça va. Hey. Allez, on est là, on est là. Et ça motive, ça motive. Ah, le jambon. Ah, ah ben on l'a mangé. Eh ben, on sent les bières. La licorne mange pas le jambon. Et comment, c'était combien il pesait? Oh, 7 kilos. Ah. C'est horrible. Vous avez dit qu'il fallait aller ici dans l'endroit. Vous l'avez dit. Et il en manque la moitié. Bonjour. Bonjour. Allez. Le pétard, il est fait. Allez, ravito du camping. 41e passé, presque 42 km. On est à 1500 des plus. En 5h41. On est bien. Allez, c'est vous, allez. Jusqu'au bout. Ah, il est un peu plus exigeant cette année. Il est chouette, ouais. On est bien, mais bon, on est sur un rythme moins soutenu que l'année dernière, mais ouais. Le jambon, ça n'empêche pas de, ah ouais, ça n'empêche pas de le trouver difficile. Hein. Il est là. Tu pouvais pas le prendre. Ouais. Tu peux tenir une caméra. Mais bien sûr, on peut. Il ne lâchera pas.
Il ne lâchera pas. Je suis venu juste pour ça. Mmh. Mais t'es sur le gun 3 ? Non, sur le fromage. Mathieu, écoute, on a rechargé. Ouais. Petite frotte. Allez. Bon, super parcours en tout cas pour le moment. On est bien reçu avec les bénévoles. Tous les ravitaux, on est bien. J'adore cette boîte, ah. C'est vrai ? Ah. Non, non, mais du coup, je l'ai, l'autre, je l'ai perdu. On boit que de l'eau, là. C'est vrai ? Quand ah ouais. J'ai pris... Ouais, ça, c'est bien de... Ah, bah, on vient d'arriver. Eh bah, ben, tant mieux. Oui, oui, mais... C'est bien, merci. On est là, on est là. Allez. Qu'à finir, là. Ouais, à fond. Allez, finis. Restaurant. Merci. Merci beaucoup. Allez. Ça roule. Ah, futur coureur. Oui, oui. Puncho de la des Moutiers. Allez, allez. Bientôt fini. Merci. Et là. Bonjour, merci. C'est fini, c'est fini, Seb, c'est fini. C'est fini, hein. Allez, Seb, jusqu'au bout, là. Allez chercher, là. C'est la fin, Sam. Allez. C'est la fin. On va le faire, on va peut-être le faire pour la fin des jambes aussi. C'est la fin des jambes ? Bonjour, merci. Grosse perf du jambon aujourd'hui. Ça va tomber en dessous de 6 heures. Ça va tomber en dessous de 6 heures. Hein ? Ah ouais, je pense que là, on est pas loin. Allez, allez. Allez, c'est fini. Allez, jambon. Moi, je garde le jambon.
jambon. Allez, bravo jambon. Allez, allez, c'est bien. Allez, 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 allez. On va chercher là. On a failli le sub. Sub 6. Bon, 6 heures. C'était annoncé. On a fait ce qui était annoncé, les gars. Ouais, oh oui, les 44, on les avait. 6h. Allez, allez, juste devant. Allez, allez. On va chercher, allez. On va chercher. Merci. Attention, voilà, c'est... En plus, c'est filmé, hein. Elle est belle. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup, hein. Et oui, finisseur les gaziers. Allez, il va revenir avec moi, on va être... Il était bien moins sur le podium, je crois qu'on va. Allez, viens, comme ça, on te verra un petit peu mieux, on va faire connaissance à notre ami Guillaume qui est un coup qui course et qui va prendre les images au cœur de la course. Voilà, ici on sera mieux, le son passera bien mieux. Bon, alors Guillaume, tout d'abord cette course, comment ça s'est passé pour toi? Super, vraiment, on a eu de la chance d'avoir une belle météo, un parcours vraiment magnifique, exigeant cette année, un peu plus exigeant que l'année dernière. Et j'étais accompagné de mes deux acolytes cette année, donc on a fait le périple ensemble, et on a vraiment pris du plaisir et que du bonheur. Tu arrives d'où du coup? Alors moi je suis périgourdin, donc on est voisins avec mes deux potes, on n'est pas très loin de Périgueux on va dire. Et on connaît les périples vallonnés, mais c'est vrai qu'en Guyane il y a de quoi faire quand même, c'est un peu plus relevé, donc on est très fiers et très heureux d'avoir fait ce marathon avec des moutiers qui est vraiment une belle réussite. Ouais, puis 1650 mètres de dénivelé sur de la petite montagne, on va dire, c'est pas mal, hein. Ah, il y avait vraiment de belles surprises. Ils se sont vraiment pas, se sont pas loupés là-dessus, et je remercie surtout les bénévoles, les organisateurs là-dessus, parce que sincèrement, bien balisé tout le long, et on a vraiment apprécié. Bon, double casquette aujourd'hui, tu es coureur, tu es aussi quelqu'un qui est au milieu de la course et tu prends des images. D'où t'es venu un petit peu cette passion de faire ça? Parce que du coup, ça devient une passion, j'ai l'impression.
Oui, ben en fait, je suis un simple coureur amateur et bon, je suis pas très rapide, mais je prends plaisir sur mes périples et surtout au niveau du paysage. Et bon, voilà, j'essaie d'être le plus comment dire le plus clair possible en fait dans mes vidéos et j'essaie de partager en fait simplement un maximum de contenu, d'images et essayer de donner du plaisir aux gens et surtout de leur donner envie de faire des courses auxquelles ils ne pensaient pas faire. Donc voilà, c'est que du plaisir et du bonheur et du partage. Donc sur ton fonctionnement, donc les périodes du cours, bien sûr, si vous courez avec un 44 bornes à faire, il faut arriver. Tu profites des ravitaillements pour aller vers les gens? Oui, bah là sur cette édition, la Lève Pas Trail, là c'était le but, donc d'échanger un maximum, donc avec les bénévoles, sur les ravitaillements, sur les parcours. Et puis aussi avec des coureurs, parce qu'il y en avait vraiment qui en valaient la peine, avec leur singularité, donc c'était vraiment chouette. Alors j'admire énormément Patrick Montel, je suis pas à sa cheville, mais j'essaie de faire un petit peu comme lui. Bon, en tout cas, j'imagine de belles rencontres aujourd'hui, des nouvelles têtes, voilà, des nouveaux coureurs, des rencontres. Derrière, il y a un montage, j'imagine, un petit peu de temps pour, après la course, travailler ça. Et ensuite, on retrouve le contenu sur ta chaîne YouTube, c'est ça? Exactement, donc j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Manon and Trail. Et voilà, donc je partage mes contenus. Moi, c'est vraiment des formats moyens à longs. Et j'aime bien faire des vidéos entre 30 minutes et 1 heure pour vraiment avoir un côté inside. Donc vraiment pour être au cœur de la vidéo et au cœur de la course. Donc voilà, moi c'est vraiment mon plaisir, tout ce qui est illustration, les images et la vidéo. Donc voilà, je reste un amateur, mais j'essaie quand même de faire du contenu vraiment sympa. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'il y aura du monde pour aller voir tes images. Bien sûr, la page Facebook de Lève Pas Trail relayera tout ça. Et puis je relayerai aussi, je pense, etc. Bon, bravo, merci à toi, merci à tes collègues. C'était super, je demande d'applaudir. Guillaume, voilà, et ses acolytes qui sont là, qui ont pris des images de la course, de l'intérieur. Ça sera bien sûr...